Et... alors on va commencer. Je suis éventuellement, je pouvais un retour pour savoir si on m'entend bien et si ça passe bien les diapos, même si j'ai l'impression qu'il y a un gros écart en fait entre mon passage de diapo et le direct. Ok, du coup je vais commencer par me présenter très rapidement. Du coup je m'appelle Mathieu, je suis interne en neurologie en quatrième semestre maintenant. Actuellement en stage en neurophysio. Et donc j'ai pensé faire cette conférence pour vous permettre de revoir un petit peu le raisonnement diagnostique dans les atteintes du système nerveux périphérique. Dans l'idée que globalement c'est un chapitre qui est assez complexe, qui est dense, souvent, enfin j'ai l'impression en tout cas mal compris par les externes que j'ai pu croiser en stage, et je pense que c'est toujours utile de, enfin en tout cas c'est un item où c'est particulièrement utile de comprendre un petit peu le raisonnement, la manière dont on a de raisonner derrière quoi globalement. Alors juste si vous pouvez me confirmer, je suis passé à la première diapo, normalement c'est censé passer à la première diapo sur vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a un certain délai, enfin, en tout cas moi, mon direct, j'ai pas la diapo passe pas aussi rapidement. Ok, donc là normalement vous voyez la première diapo. Donc globalement cette première diapo c'est juste un rappel général de comment est-ce qu'on raisonne en neurologie. Est-ce que c'est un raisonnement assez particulier qui est pas identique à ceux qu'on peut avoir dans les autres spécialités, enfin qui a certaines similarités mais qui est un peu différent par certains points. Donc évidemment on repose toujours sur l'anamnèse et l'examen clinique, mais nous on a une particularité, c'est qu'on va passer par un diagnostic syndromique et topographique avant d'aboutir au diagnostic étiologique. C'est-à-dire qu'on va d'abord regrouper l'ensemble des signes et symptômes en un syndrome. Donc par exemple ça pourrait être un syndrome pyramidal, bon ça va pas être le cas en pathologie du système nerveux périphérique, mais c'est juste pour vous donner une idée. On se dit que c'est un syndrome pyramidal, donc c'est une atteinte de la voie pyramidale, et ensuite la topographie c'est de se dire sur cette voie pyramidale où se situe la lésion exactement pour aller rechercher correctement la lésion avec les examens complémentaires et faire les bonnes hypothèses diagnostiques selon les antécédents, le mode d'installation et le contexte et les signes extra-neurologiques associés. Et après, évidemment, les examens complémentaires vont permettre un peu de confirmer tout ça et de déterminer la prise en charge à avoir, quoi. Donc ça, c'est de manière assez générale. Alors, je suis désolé pour à chaque fois le petit temps qui se fait entre chaque diapo, parce que là, je suis en train de passer à la suivante. Donc globalement, concernant justement donc l'approche diagnostique maintenant, plus sur le système nerveux périphérique, voilà, j'ai organisé ça selon un axe pour que ce soit très clair et schématique. Donc globalement, ça suit exactement le même type de raisonnement, c'est-à-dire qu'on part des données anamnestiques et de l'examen clinique, on identifie un syndrome neurogène périphérique, donc ça c'est notre syndrome, ça nous dit effectivement une lésion sur la voie du système, sur une voie du système nerveux périphérique. Ensuite, une fois qu'on a identifié ça, on fait un diagnostic topographique. On verra à chaque fois en détail exactement comment ça se passe. Mais donc là, ça permettra de définir à quel niveau ça se situe. Est-ce que ça se situe au niveau du plexus, au niveau de la racine, au niveau d'un tronc, au niveau de plusieurs troncs. Puis, une fois qu'on a fait ce diagnostic topographique, on demande généralement un électroneuromyogramme qui va permettre de classifier la pathologie de manière électroclinique. Donc pareil, ça j'en détaillerai. Et après, on s'oriente plus vers le bilan étiologique orienté, la prise en charge adaptée. Ça n'a pas de choses, il n'y a pas de choses bien particulières en termes de raisonnement par rapport à ça. C'est plus les trois premières étapes que je vais détailler, parce que c'est ça
le plus compliqué. Alors, concernant le syndrome neurogène périphérique, pour commencer, globalement, c'est l'atteinte, enfin, un ensemble de trois signes, le système l'atteinte, le syndrome neurogène périphérique, pardon. C'est donc vous n'êtes pas sans ignorer que le système nerveux périphérique, c'est trois types de nerfs, en fait, globalement, c'est des nerfs moteurs. Donc, c'est une atteinte motrice avec un déficit moteur, une amyotrophie, une diminution, voire une abolition des réflexes ostéotendineux et des fasciculations. C'est des nerfs sensitifs, donc avec des signes à la fois subjectifs et objectifs. Et c'est tout un contingent végétatif qu'il ne faut pas oublier. C'est quelque chose qui passe souvent un peu à l'as dans les examens cliniques des patients qu'on voit, enfin les examens cliniques réalisés par nos étudiants. Il faut bien rechercher tous ces signes neurovégétatifs, notamment les troubles vasomoteurs, les troubles trophiques, l'hypotension orthostatique, qui sont tous des signes qui vont s'intriquer avec les signes sensitifs et moteurs, qui vont orienter un petit peu vers la pathologie du système nerveux périphérique, même si évidemment il peut y avoir aussi des signes végétatifs en centrale. Hein. Mais l'ensemble des trois constitue ce qu'on appelle le syndrome neurogène périphérique. Et à partir du moment où vous avez l'ensemble de ces trois symptômes, enfin ce genre de symptômes, vous pouvez vous dire, bon, globalement, la lésion se situe sur le nerf périphérique. Et la question maintenant, ça va être où ça se situe exactement sur ce nerf périphérique. Donc c'est pour ça qu'on va passer ensuite au diagnostic topographique. Donc ce diagnostic topographique, moi j'aime bien l'organiser selon deux idées. Donc je pense qu'il faut avoir deux idées. C'est un. Est-ce que je me situe plutôt en proximal ou plutôt en distal? Donc c'est une sorte de gradient proximo-distal. Donc est-ce que je me trouve en proximal? Donc on commence en plus proximal, c'est-à-dire le motoneurone au niveau de la corne antérieure de la moelle. Ça c'est la neuronopathie motrice, on va voir exactement ce que c'est. Est-ce que c'est la racine? Donc à ce moment-là c'est une radiculopathie. Est-ce que c'est le neurone sensitif au niveau du ganglion spinal? C'est la neuronopathie sensitive à ce moment-là. Est-ce que c'est plus bas situé, c'est-à-dire au niveau du plexus? Est-ce que c'est une plexopathie? Encore plus bas situé au niveau des troncs nerveux, on parle de neuropathie à ce moment-là. Et puis après, on va descendre sur des niveaux que je détaillerai pas ici, mais qui sont les atteintes de la jonction neuromusculaire, le syndrome myasthénique et les myopathies, pareil, que je n'ai pas détaillé parce que ça faisait un peu trop large à mon goût. Et puis par ailleurs, parce que je pense qu'à l'ECN, globalement, la myasthénie, c'est quelque chose d'un peu plus simple à comprendre, le chapitre un peu plus simple. Et les myopathies, globalement, il n'y a pas grand-chose à en connaître pour l'ECN. Là, donc ça, je vous disais qu'il y avait deux niveaux. Donc il y a ce gradient proximo-distal. Est-ce qu'on est plutôt au niveau de proche de la moelle ou plutôt proche du muscle globalement? Et il y a un deuxième niveau, c'est la répartition selon les membres qui sont atteints et selon les territoires nerveux. Donc c'est la répartition de l'atteinte globalement. Parce que globalement, bah, vous pouvez avoir une seule racine. Donc ça c'est simple, c'est une monoradiculopathie. Vous avez par exemple une sciatique L5. Bah, c'est tout, c'est un truc assez basique. Hein. C'est un truc qui est géré généralement en rhumato ou en traumatologie selon les centres. Hein. C'est rarement géré en neurologie, mais c'est plus complexe à partir du moment où il y en a plusieurs qui sont associés. Et c'est là qu'on va voir les choses qui généralement embêtent un peu plus les étudiants. Donc notamment c'est les quatre tableaux que je vais vous décrire. Donc en fait on a un premier tableau qu'on appelle la polyneuropathie. Donc poly ça veut dire que c'est l'ensemble ou quasiment toutes les fibres et neuropathie ça veut dire que c'est les troncs nerveux qui sont concernés. Donc la polyneuropathie généralement c'est globalement l'ensemble des fibres qui sont atteintes de manière longueur dépendante. C'est-à-dire que c'est les fibres les plus longues qui souffrent en premier. Donc c'est notamment les fibres qui vont innerver les pieds, ce qui explique pourquoi ça commence par les pieds, ça remonte progressivement parce que globalement plus les nerfs sont longs plus ils sont touchés et puis petit à petit les nerfs de plus en plus courts sont touchés et ça finit par atteindre les mains. Donc globalement c'est à peu près c'est le premier profil sur la gauche quoi. Globalement ça remonte jusqu'au genou puis ça commence à toucher les mains et ensuite ça remontera un peu plus haut. Ensuite vous avez les atteintes isolées d'un seul tronc nerveux, c'est ce qu'on appelle une mononeuropathie. Un exemple classique de mononeuropathie c'est le syndrome du canal carpien. Donc vous allez avoir des symptômes qui sont isolés au territoire du nerf médian à droite, par exemple si vous êtes droitier, vous faites un métier un peu physique, vous comprimez votre canal carpien, vous comprimez votre nerf pardon, médian dans le canal carpien, et vous allez avoir un territoire du nerf médian isolé sans autre chose. Donc un truc assez simple. Les deux autres choses un peu plus complexes, c'est la mononeuropathie multiple. Donc celle-ci, comme son nom l'indique, c'est une mononeuropathie. Donc exactement la même chose que ce que je viens de décrire, mais de manière multiple, c'est-à-dire qu'on va multiplier les troncs nerveux de manière isolée comme ça. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un tronc nerveux qui va être atteint, puis un peu après un deuxième tronc nerveux qui va être atteint d'un autre côté sur un autre membre.
pas de manière symétrique, et donc c'est quelque chose qui est asymétrique et asynchrone. Donc c'est par exemple un tronc, un nerf médian à droite, puis un nerf fibulaire à gauche, puis un nerf radial à gauche, par exemple. Ça va pas respecter de symétrie particulière, et ça va être plusieurs troncs nerveux de manière successive. Et donc un exemple classique, mais on verra ça, c'est les vascularites. Globalement, le nerf souffre à cause des, enfin, la vascularite fait nécroser le nerf, et donc globalement, ça respecte pas un pattern bien particulier, quoi. Le dernier, c'est la polyradiculoneuropathie. Donc ça, le nom peut faire un peu peur, mais donc c'est juste que vous avez l'habitude de voir sous le terme de syndrome de Guillain-Barré. Donc c'est l'atteinte de plusieurs, enfin quasiment toutes les racines et les nerfs de manière concomitante. Donc radiculoneuropathie, il faut pas se faire avoir, c'est à la fois les racines et les nerfs, les troncs nerveux. Les deux sont touchés et globalement, ça va atteindre les quatre membres. Habituellement, c'est symétrique, ça a tendance à être ascendant, donc vous voyez, c'est à peu près le tableau classique du Guillain-Barré, ça remonte progressivement, mais ça n'a pas la même topographie longueur dépendante que les polyneuropathies, parce que globalement, par exemple, dans le Guillain-Barré, vous avez peut-être l'idée, mais globalement, la remontée est beaucoup plus rapide, et notamment l'atteinte motrice est à prédominance proximale et pas distale, ce qui collerait pas avec une polyneuropathie. Voilà globalement ce que j'ai à en dire. En termes de répartition. Alors, je vous ai fait quelques diapos pour juste que vous ayez un peu des rappels d'anatomie. On va juste attendre que ça passe. Mais donc globalement, j'ai essayé de vous mettre à la fois pour le membre supérieur et le membre inférieur quelques troncs, quelques racines et quelques muscles clés qu'on utilise en clinique. C'est clairement pas exhaustif et je pense que, en tout cas, à mon sens, l'EDN et puis le CN actuellement favorisent le genre de les questions un peu d'anatomie, donc je pense que c'est bien d'avoir une idée un petit peu de qu'est-ce que vous allez avoir selon le territoire, hein, c'est des questions simples à poser, ou est-ce qu'on peut faire des pièges, c'est du rang A dans le collège, donc techniquement à bien savoir. Donc je vais pas, évidemment, je vais pas m'amuser à lire le tableau là devant vous, enfin ça a pas beaucoup de sens. Je vous laisserai le diaporama, comme ça vous pourrez avoir un aperçu en direct, enfin vous pourrez relire ça directement quand vous en avez besoin. Et globalement, il y a juste un truc sur lequel je vais insister là-dessus, mais donc je vais pas relire le tableau évidemment, c'est que vous remarquez qu'en fait certains nerfs innervent, donc enfin globalement. Il est important d'avoir des idées de certains muscles pour distinguer si c'est une atteinte d'une racine ou d'un tronc nerveux. Ça, c'est un truc important clinique. C'est par exemple, vous prenez le médian et le médian, par exemple, il innerve l'opposant du pouce et le court abducteur du pouce. Sauf que la racine C8 T1 innerve également ce territoire-là, enfin, ça innerve également ces muscles-là. Donc, si vous voulez être sûr que c'est pas du C8 T1, il va falloir tester un autre muscle innervé par le médian. Là, par exemple, je vous ai mis le fléchisseur radial du carpe. Bah, c'est une bonne idée parce que c'est un muscle innervé plutôt par C7. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu notre manière de raisonner. Donc globalement, quand on veut déterminer si c'est plutôt une racine ou plutôt un tronc, alors on s'amuse à regarder des muscles qui sont innervés par différentes racines et différents troncs, à les croiser entre eux, puis ça nous permet de déterminer un peu où se situe le problème. Bon, à partir du moment où le problème est simple, c'est-à-dire à partir du moment où c'est une seule racine ou un seul tronc nerveux, après quand c'est plus compliqué, évidemment, c'est un petit peu plus difficile. Bon, je passe sur les membres inférieurs. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de s'attarder, pardon, sur ces tableaux-là. Globalement, je vous les regarderai à tête reposée. Donc, on va passer à l'étape suivante, qui est l'électroneuromyogramme. Et donc, vous remarquerez, j'ai mis dans le coin en haut à droite, c'est du rang B. Techniquement, l'électroneuromyogramme, jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai présenté, c'est techniquement du rang A d'après le collège. Ça, c'est du rang B. Donc, globalement, l'électroneuromyogramme, il a plusieurs utilités qui sont, un, dire effectivement est-ce que c'est neurogène, il va confirmer votre impression clinique, il va vous dire oui, effectivement c'est neurogène, c'est pas du myogène, c'est vraiment une atteinte du nerf. Ensuite, il vous permet de déterminer le mécanisme, est-ce que c'est axonal, est-ce que c'est démyélinisant, est-ce que c'est neuronal, donc est-ce que c'est l'axone qui a souffert, est-ce que c'est la myéline ou est-ce que c'est le corps du neurone qui a souffert. Donc globalement, ça permet d'aboutir à ce qu'on appelle la classification électroclinique. Donc vous allez pouvoir dire, ce patient, il a une polyneuropathie axonale, longueur dépendante. Voilà. C'est un peu à ça que ça sert. Ça permet de déterminer plus finement ce que c'est comme type de pathologie. Et évidemment, par exemple, si vous avez une polyneuropathie
axonale, bon, il y a tout un ensemble de causes assez vastes, mais si par contre vous avez une polyneuropathie démyélinisante, on voit tout de suite l'intérêt parce que ça réduit franchement le nombre d'étiologies possibles, quoi, globalement. Par ailleurs, ça va confirmer votre impression clinique de topographie de l'atteinte, d'autant plus qu'il peut y avoir des atteintes asymptomatiques sans signe clinique, mais qui sont retrouvées sur l'électroneuromyogramme, donc ça permet de ne pas passer à côté d'une pathologie qui était asymptomatique. Hein. Il peut y avoir plusieurs troncs nerveux touchés en électroneuromyogramme sans que pour l'instant cliniquement ça parle. Donc ça ferait passer d'une mononeuropathie simple à une mononeuropathie multiple. Hein. Bon, c'est des exemples un peu caricaturaux évidemment. Et par ailleurs, ça va vous donner des informations pronostiques qui seront ultra importantes pour le patient. Évidemment, si l'axone est touché, c'est globalement de beaucoup moins bon pronostic que si c'est démyélinisant. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des questions au passage. Hein, j'ai pas précisé ça, mais évidemment, vous pouvez tout à fait mettre des petits commentaires. Je répondrai aux questions. Enfin, il faut que ce soit très clair pour vous. J'ai envie que vraiment vous ressortiez de là en ayant bien compris tous les points de détail. Donc, ça, c'est sur les objectifs de l'ENMG. Après, l'ENMG en lui-même, globalement, il se déroule en deux temps. Le premier temps, c'est un temps de stimulodétection. Donc, vous voyez un petit peu comme ce que, ben, c'est globalement, c'est ce que la première photo vous montre. Hein. Donc, on a des électrodes qu'on va poser soit sur le muscle qu'on veut aller tester, soit sur le nerf sensitif qu'on veut aller tester. Et on va stimuler avec une petite électrode le nerf directement. Ça va vous permettre plusieurs choses. Donc déjà, on va stimuler un moment, on va recueillir la réponse, et donc on va savoir le temps que votre réponse a mis pour arriver. Et donc en connaissant la distance, on va pouvoir déterminer la vitesse de conduction du nerf. Par ailleurs, on va regarder l'amplitude du potentiel d'action moteur et sensitif. Donc ça nous permet de déterminer un petit peu comment fonctionne le nerf globalement, et de localiser l'atteinte évidemment, parce que globalement, si c'est tronculaire, radiculaire, proximal ou distal, on aura des résultats différents. La deuxième partie, c'est l'électromyogramme proprement dit. On dit électromyogramme parce que globalement, on teste vraiment que le muscle dans celui-là. On teste pas directement le nerf. En fait, on teste le nerf de manière indirecte en testant le muscle. Donc, pour ce faire, globalement, on prend une aiguille qui est une électrode et qu'on va aller mettre dans un muscle. Cette aiguille, elle est pas, il n'y a pas de stimulation. Elle est complètement inerte. Elle fait que du recueil. On va demander au patient de contracter progressivement son muscle. Alors, on va d'abord regarder au repos, puis ensuite on va demander de contracter progressivement. Et selon le profil de recrutement musculaire, on aura une idée de comment fonctionne son nerf, quoi. Là, je vous ai mis un tableau récapitulatif un petit peu de ce qu'on peut observer dans les différents types de neuropathie. Donc, vous voyez que dans les neuropathies axonales, l'idée c'est que les axones ont souffert et que globalement votre nerf sinon conduit bien. Donc les vitesses sont normales, il n'y a pas de raison que les fibres qui restent conduisent moins bien. Par contre, l'amplitude des potentiels d'action moteur et sensitif est diminuée parce qu'il y a moins d'axones. Donc quand vous stimulez le nerf, bah, vous envoyez, enfin globalement, il y a moins de fibres nerveuses qui répondent qu'habituellement chez un sujet sain. Si la neuropathie est démyélinisante, à ce moment-là, vous allez avoir un ralentissement des vitesses de conduction, puisque la myéline augmente la vitesse de conduction. Les latences distales, donc c'est-à-dire le temps que met votre réponse à arriver entre le point de stimulation et le recueil, elle est allongée, parce que globalement, pareil, c'est ralenti. Par contre, il n'y a pas de raison de penser que les amplitudes soient baissées. Il n'y a pas vraiment de baisse d'amplitude dans ce genre de pathologie. Il y a trois autres petits trucs. Dans les neuropathies démyélinisantes, un petit peu compliqué à comprendre, mais que je vais vous expliquer très rapidement, et je vous donnerai un lien vers une vidéo YouTube qu'on a fait avec notre association d'internes sur Lille pour vous expliquer l'électroneuromyogramme. Comme ça, vous aurez aussi une vidéo de référence pour ça. Mais donc globalement, vous allez avoir ce qu'on appelle les ondes F qui vont être allongées en termes de latence, notamment si l'atteinte est proximale. Donc je vous explique rapidement ce que c'est les ondes F. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance extravagante sur le sujet. Il faut juste avoir une idée que quand on stimule un axone moteur, l'information, elle descend vers le muscle, elle remonte également vers la moelle. En fait, l'information, elle part des deux côtés. Et quand elle remonte vers la moelle, habituellement, elle n'a pas tendance à redescendre, mais ça peut arriver qu'elle fasse demi-tour dans le corps cellulaire pour redescendre vers le muscle. Si elle fait ça, c'est ce qu'on appelle une onde F. Elle apparaît plus tard, cette onde, et c'est un petit potentiel d'action moteur qui apparaît beaucoup plus tard. Ce potentiel d'action moteur, le temps qu'il met pour survenir, ça dépend bah, de tout le trajet entre la stimulation, la racine et puis le trajet retour. Donc globalement, le trajet fait l'aller-retour. Et donc si c'est ralenti bah, à un endroit notamment en proximal au niveau radiculaire, globalement, on va avoir un retentissement
sur cette latence. Ensuite, les deux autres, c'est la dispersion et le bloc de conduction. Donc la dispersion, pour comprendre ça globalement, dans un tronc nerveux, vous avez plusieurs fibres nerveuses les unes à côté des autres. Et c'est pas dit que la déminisation soit parfaitement homogène entre toutes les fibres. Donc il se peut qu'il y ait des fibres qui soient très ralenties et d'autres beaucoup moins. Donc si vous allez stimuler un tronc nerveux avec des fibres qui sont atteintes comme ça de manière inhomogène, globalement les fibres les plus rapides vont arriver plus rapidement que les autres, que celles qui sont plus ralenties. Et donc vous allez avoir un potentiel d'action qui va être très déstructuré parce que globalement les potentiels d'action arrivent de manière très désynchronisée sur le muscle. Le bloc de conduction, c'est la dernière situation. C'est si jamais vous avez un truc très focal à l'inverse, donc pas un truc très inhomogène, mais un truc très focal, une déminisation très focale à un endroit, il se peut que l'information, que le stimulus électrique ne puisse pas passer à travers la zone déminisée. Globalement, la mine est tellement dégradée que globalement l'information ne passe plus. Donc dans ce genre de situation, ce qui va se passer, c'est que si vous stimulez en dessous de ce bloc, vous allez avoir une réponse normale, mais si vous stimulez au-dessus, vous n'aurez pas une réponse normale. La réponse va diminuer d'amplitude parce que globalement, l'information ne passe pas à travers le bloc de conduction, à travers la zone déminisée. Donc ça crée un aspect de bloc de conduction, un endroit où est-ce que la conduction ne passe plus. Ouais, j'espère que c'est clair. Les deux autres choses qu'on peut avoir, c'est la neuronopathie sensitive et motrice. Donc c'est les atteintes du corps cellulaire cette fois-ci. Donc soit au niveau du ganglion, soit au niveau de la corne antérieure de la moelle. Globalement, comme elle sait, le corps cellulaire qui est atteint, c'est soit moteur, soit sensitif. Et la particularité, c'est que l'axone ne peut pas survivre sans le corps cellulaire. Donc c'est un tracé axonal, mais qui est purement sensitif ou purement moteur. Voilà, j'espère que c'est clair pour la stimulation. Une des choses assez compliquées, mais je vous verrai. Donc je vous ai mis une vidéo, je vous ai mis un lien après, vous aurez le lien évidemment. On a fait une vidéo sur YouTube du coup pour récapituler ça avec un exemple de vie réelle pour que ce soit plus facile à comprendre avec une analogie. Donc j'espère que ce sera bien clair pour vous. Concernant maintenant les aspects quand on met l'aiguille dans le muscle, globalement vous avez les tracés neurogènes et les tracés myogènes. C'est quelque chose d'assez compliqué, ça pour le coup on n'a pas fait de vidéo dessus. Alors comment vous expliquer ça? Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'axone va innerver plusieurs fibres musculaires. Vous avez un axone innervant plusieurs fibres musculaires et l'ensemble axone plus plusieurs fibres musculaires, c'est ce qu'on appelle une unité motrice. Donc ce qui va se passer, c'est que si c'est une atteinte neurogène, c'est l'axone qui souffre. Donc globalement, vous allez avoir moins d'axones. Vu que l'unité motrice dépend de l'axone, vous allez avoir moins d'unités motrices. Moins d'unités motrices, on dit que le tracé est pauvre, appauvri, ça veut dire qu'il est appauvri en unités motrices, et on dit qu'il est accéléré, puisque globalement le muscle, quand il veut faire un effort, il a deux possibilités. La première, c'est de décharger plus rapidement ses unités motrices, parce que ça provoque une tétanie des unités motrices. La deuxième, c'est d'en utiliser plus qu'habituellement, donc d'utiliser plusieurs unités motrices d'un coup. Donc si vous avez moins d'unités motrices, vous ne pouvez pas en utiliser plus, et la seule possibilité qui vous reste, c'est de décharger plus rapidement les quelques-unes qui vous restent. Vous allez avoir un tracé qui est pauvre et accéléré. Par contre, si c'est myogène, l'unité motrice, elle est normale, l'axone est normal, c'est juste qu'il y a moins de fibres musculaires dedans. Les fibres musculaires ont nécrosé. Donc globalement, les unités motrices sont plus petites que d'habitude, il y a moins de fibres dedans, donc on dit qu'elles sont microvoltées. Elles ont un aspect polyphasique, donc ça je rentrerai pas dans le détail, c'est parce que globalement il y a la structure de l'unité motrice est un petit peu altérée par la myopathie. Et on dit que c'est riche parce que globalement, comme il y a moins de fibres dans une unité motrice, on a beau en utiliser plusieurs d'un coup, on a besoin d'en utiliser beaucoup d'un coup pour faire un effort minimal. Les myopathes globalement, pour faire un effort minimal, ils utilisent quasiment toutes leurs unités motrices très rapidement, donc c'est un tracé qui est très riche pour l'effort fourni. Voilà, j'espère que c'était clair pour l'électroneuromyographie. Et donc voilà, vous avez le lien comme ça pour comprendre la stimulodétection. Et c'est en moins de 5 minutes, donc clairement, je pense que c'est assez rentable en termes de temps pour passer à regarder ça. Bon, ensuite, je vais avancer un peu plus vite sur l'approche diagnostique. Donc globalement, le bilan étiologique orienté, ensuite recommandé par la chaise, je vous l'ai mis.
Le CEN rajoute quelques items en plus, donc c'est sachant que c'est des recommandations s'il n'y a pas d'étiologie évidente, évidemment. Si le patient a une polyneuropathie axonale et qu'il est diabétique et qu'il n'y a pas de critères d'atypie, on va pas s'amuser à lui faire tout un bilan exhaustif, à moins qu'on ait une arrière-pensée à l'esprit, quoi, globalement. Mais donc voilà, ce bilan il est assez large et on va revoir avec les étiologies pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce genre de bilan. Il parle également dans le collège de la ponction lombaire et de la biopsie neuromusculaire. Donc alors ça c'est soit du rang A, soit du rang B. Je me souviens plus lequel est du rang A et du rang B, mais globalement la ponction lombaire, l'intérêt c'est uniquement en cas d'atteinte proximale. L'idée c'est que le nerf proximal il baigne dans le liquide céphalo-rachidien puisqu'il se situe au niveau du canal rachidien. Donc, il baigne dedans. Donc, s'il y a une atteinte de la racine, globalement, la ponction lombaire sera rentable parce que ça permettra de dire est-ce qu'il y a de l'inflammation au niveau de la racine, par exemple. C'est le cas, par exemple, des polyradiculoneuropathies, des syndromes de Guillain-Barré ou dans les neuronopathies sensitives. La biopsie neuromusculaire, quant à elle, globalement, c'est uniquement si vous avez une suspicion de vascularite ou si vous avez une neuropathie évolutive sans étiologie retrouvée, puisque globalement, c'est un geste invasif qui va laisser un déficit sensitif persistant au décours. Donc, il faut que la situation soit assez grave, c'est-à-dire que soit on ne sait pas ce que c'est et ça continue d'évoluer, soit c'est une vascularite et globalement il faut qu'on fasse la preuve de son étude, enfin de son anatomopathologie pour traiter. Donc ça c'est si jamais évidemment il n'y a pas d'autre chose à biopsier. Hein. Évidemment s'il y a une vascularite et que vous avez d'autres choses à biopsier, on va privilégier d'autres choses plutôt que le nerf de principe, quoi. Après c'est toujours une discussion, ça on vous demandera. À mon avis, pas de choisir à l'ECN, mais évidemment, je suis pas dans la tête des correcteurs. Voilà, j'espère que c'est clair, en tout cas sur tout ce qui est raisonnement. Là, on va passer à un petit peu tout ce qui est étiologie pour faire une revue rapide. Et vous allez voir, bon, ça, c'est alors malheureusement, c'est un item un petit peu catalogue, mais globalement, je vais essayer de vous donner quelques idées un petit peu clés sur chaque pathologie. Donc, les polyneuropathies, donc je vous ai dit, longueur dépendant, ça commence par les pieds. C'est lentement évolutif et donc ça peut être soit axonal, soit démyélinisant. Si c'est axonal, globalement, vous avez notamment tout ce qui est pathologie métabolique, donc c'est diabète, insuffisance rénale, les consommations alcooliques, tout ce qui est iatrogène et toxique. Et ensuite, vous avez quelques petites raretés à connaître qui sont, alors ça c'est du rang B, mais donc l'amylose primitive ou secondaire, donc les dépôts de corps amyloïdes, ça a tendance à donner des polyneuropathies. Les vascularites, retenez-le franchement. Alors, enfin, c'est écrit dans le collège, donc techniquement c'est au programme, mais c'est pas la présentation la plus classique. La plus classique, c'est la mononeuropathie multiple. Mais c'est vrai que les cryoglobulinémies, par exemple, peuvent donner des polyneuropathies. Et vous avez également les dysthyroïdies et le VIH qui peuvent donner des polyneuropathies. Donc retenez surtout les pathologies métaboliques et les intoxications pour les polyneuropathies axonales. Donc notamment le diabète, donc c'est une cause. C'est la cause la plus fréquente de neuropathie. Évidemment, le contrôle diabétique a un impact sur le contrôle de la neuropathie, hein, globalement. Et après, il peut y avoir des présentations cliniques un peu différentes des polyneuropathies. Donc la plus fréquente, c'est la polyneuropathie. Ça, tout le monde doit le savoir, c'est du rang A. Et après, vous avez trois neuropathies différentes associées qui sont plutôt du rang B. Donc c'est la neuropathie motrice proximale, donc globalement ça se présente comme un patient qui va de manière subaiguë avoir une amyotrophie, par exemple, alors généralement c'est le quadriceps, une amyotrophie franche quadricipitale qui va s'installer brutalement. Ensuite on a les neuropathies focales ou multifocales, donc c'est des atteintes de nerfs crâniens, ça vous avez probablement dû en voir, c'est assez fréquent aux urgences. Et les neuropathies du tronc, donc c'est une atteinte d'un tronc nerveux au niveau du tronc, ça c'est ça c'est pas très fréquent globalement. Les neuropathies pardon, et l'alcool, bon, c'est la deuxième cause après le diabète dans les pays industrialisés. Et donc globalement, pareil, la polyneuropathie, c'est la forme la plus fréquente, c'est après dominant sensitif. Et ça peut être associé à une carence en B1, et à ce moment-là, il y aura une expression après dominance motrice. Après tout le reste du rang B, il peut y avoir des formes ulcéromutilantes, pareil, ça c'est assez rare. Et les formes végétatives, c'est pareil, c'est assez rare globalement. Pareil, hein, tout le diapo, je vous laisse tout, comme ça vous aurez, enfin globalement en 36 diapos, vous avez résumé tout l'item avec le raisonnement, l'anatomie, donc je pense que ça peut être utile toujours pour réviser, quoi. Excusez-moi. Alors les amyloses, globalement vous devez y penser devant quelques petits trucs,
Et ça, c'est déjà tombé une fois à Lucène Blanc. Alors, je sais que maintenant, c'est du rang B, donc je ne sais pas si ça peut retomber comme ça. Mais en tout cas, à un moment, Lucène Blanc, c'était tombé. Je crois que c'était mon année, d'ailleurs. Bref, en tout cas. Et c'est un tableau assez évocateur. C'est l'association d'une polyneuropathie axonale, donc chronique, c'est fréquemment chronique, les polyneuropathies, avec une importante dysautonomie et un syndrome du canal carpien uni ou bilatéral. Donc globalement, le dépôt amyloïde va se faire sur tous les nerfs et par ailleurs, il va se faire au niveau du canal carpien enfin, provoquer un canal carpien généralement bilatéral et fréquemment, c'est très très dysautonomique. Alors ça, surtout s'il y a un contexte familial associé, il faut directement penser à l'amylose. Donc familial s'il y a un contexte familial ou secondaire si jamais il n'y a pas de contexte évidemment. Et aller la traquer immédiatement, d'autant plus que ça va donner des atteintes extra-neurologiques beaucoup plus graves. Alors je ne l'ai pas mis ici, mais parce que c'est pas cité dans le collège, mais c'est pareil. Si vous avez un patient qui à l'ECN, qui a une insuffisance cardiaque ou qui a des symptômes cardiaques et qui a une neuropathie, une polyneuropathie, il faut que ça fasse, faut tout de suite penser à l'amylose. Enfin, c'est un truc qui doit faire tilt. En tout cas, en rang B, hein, c'est évidemment les gens qui se destinent pas à la neuro, c'est pas un truc à savoir évidemment, mais c'est un truc qui doit faire tilt. Il faut penser assez rapidement parce que ça va engager le pronostic et surtout il y a des traitements maintenant pour les amyloses, donc je pense que ça va être de plus en plus touchy. Enfin, comme situation, faut pas se louper quoi. Maintenant, les polyneuropathies. Donc ça, c'était tout ce qui est polyneuropathie axonale. On va passer aux polyneuropathies déminisantes. Donc, je vous ai pas menti. Globalement, c'est des étiologies qui ont très peu de causes. Déminisantes, il y en a que deux, à savoir pour le CN, c'est les neuropathies à IgM anti-MAG et les neuropathies de Charcot-Marie-Tooth qui sont héréditaires. Donc ça, c'est du rang B. L'anti-MAG, globalement, pour vous faire une idée, c'est une patiente. Alors généralement, c'est une femme de plus de 50 ans qui a une neuropathie ataxiante assez marquée, avec un tremblement des mains très marqué, qui est une atteinte qui est peu motrice, hein, qui est vraiment très sensitive. En fait, ils ont une ataxie proprioceptive avec un tremblement des mains. C'est très lent et c'est associé à un IgM monoclonal. Généralement, c'est moins de 10 grammes par litre et c'est des anticorps anti-MAG, en fait. Donc, c'est une protéine de la myéline, hein, les MAG. Et donc, globalement, il y a des anticorps dirigés contre la myéline. Donc, globalement, ils ont un tableau d'atteinte déminisante de manière non étonnante. Le Charcot-Marie-Tooth, par contre, donc, à l'inverse, c'est plutôt moteur. Ils ont, généralement, pour vous faire une idée, c'est les patients, ça débute assez jeune, hein, c'est vers 10-20 ans. Alors, ça peut débuter plus tard, mais le cas le plus fréquent, c'est des patients assez jeunes, 10-20 ans, qui ont une atteinte plutôt motrice, qui va atteindre bah, les pieds en premier, parce que c'est une polyneuropathie, donc ils ont une atrophie des mollets et des pieds creux, ils ont peu de symptomatologie sensitive, en tout cas ils s'en plaignent peu, et globalement c'est héréditaire, et alors tous les types d'hérédité sont possibles, ça peut être autosomique dominant, lié à l'X, ou ça peut être même carrément être autosomique récessif, c'est pas cité par le collège, alors sachant que les gène et le type d'hérédité, c'est compté comme du rang B par le collège, j'ai vérifié, donc bon, techniquement c'est admissible en rang B encore ce genre de détails. Voilà pour les polyneuropathies. Maintenant on va passer aux neuronopathies. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'atteinte du corps cellulaire, c'est soit sensitif, soit moteur, mais c'est pas l'un et l'autre. C'est globalement l'un ou l'autre pour le CN, vous retenez ça. Et donc c'est une atteinte, comme c'est le corps cellulaire qui est touché, c'est une atteinte qui est asymétrique, non systématisée à un territoire tronculaire ou radiculaire. Donc globalement, c'est exactement le tableau que vous avez l'habitude d'avoir quand vous avez une SLA. Donc si vous avez un peu l'idée de ce que c'est une SLA, voilà, c'est ça. C'est une atteinte asymétrique, purement motrice, non systématisée. Et bien ça marche pareil si c'est une neuronopathie sensitive, sauf que c'est que sensitif à ce moment-là. Donc les neuronopathies sensitives, justement, donc c'est un trouble sensitif qui affecte habituellement, c'est les quatre membres, c'est asymétrique, c'est de manière synchrone ou non, ça dépend. Généralement, une ataxie et une aréflexie, puisque globalement, les réflexes bah, ont besoin d'une afférence sensitive pour fonctionner, donc s'il n'y a plus de sensitif, bah, il n'y a plus de réflexe globalement. Et donc, ça peut soit prédominer sur les grosses fibres, à ce moment-là, elles seront très ataxiques, puisque les grosses fibres contiennent beaucoup de myéline et sont celles qui gèrent, enfin qui génèrent, enfin qui gèrent, pardon, tout ce qui est proprioception, soit c'est les petites fibres, et à ce moment-là, c'est plutôt thermoalgique, parce que globalement, les petites fibres, c'est les fibres thermoalgiques.
Le LCS habituellement on a une inflammation, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça baigne dans le liquide céphalo-rachidien. Donc s'il y a une inflammation des racines, et notamment là du ganglion rachidien, globalement on va avoir une inflammation du LCS associée. Et donc vous avez quelques causes à connaître pour le CN. C'est les causes paranéoplasiques, donc ça c'est les cancers à petites cellules du poumon. Les causes immunes, c'est le syndrome de Goujereau, et les causes immunes sans cause retrouvée. Et les selles de platine qui peuvent également donner une atteinte de type neuronopathie sensitive. Concernant tout ce qui est moteur, globalement, vous avez notamment à connaître la SLA, qui est donc une dégénérescence centrale et périphérique. Donc, en fait, c'est une neuronopathie motrice plus un syndrome pyramidal. Donc, c'est un tableau vraiment particulier qu'on ne peut pas trop louper, hein, globalement. Si vous avez des signes pyramidaux et des signes neurogènes périphériques, à l'ECN, il n'y a qu'une seule cause à évoquer, c'est la SLA. Et actuellement, il n'y a plus grand-chose à en savoir sur le plan clinique, si ce n'est qu'il peut y avoir une atteinte cognitive, c'est le cas dans 20% des cas. Et vous avez également quelques diagnostics différentiels à en connaître, notamment, donc ça c'est vachement réduit et c'est pas plus mal parce qu'il y avait des causes très très rares avant qui étaient citées, mais donc globalement, actuellement, ce qu'on veut que vous éliminiez principalement, c'est les neuropathies motrices multifocales à bloc de conduction. Dont on va reparler, mais globalement, c'est un tableau qui va mimer la SLA, qui est purement moteur, qui aura quelques particularités par rapport à la SLA, dont on va discuter après. Et après, bon, globalement, les neuropathies post-radiques, etc., c'est des raretés. C'est encore cité dans le collège, donc techniquement, je pense à connaître en termes de diagnostic différentiel, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de savoir de grands détails sur le type de sémiologie que ça peut donner. C'est déjà assez dense comme ça, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc justement, on va passer aux mononeuropathies multiples. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une atteinte successive et asymétrique de plusieurs troncs nerveux. Et donc, la caractéristique habituelle, c'est que c'est aigu ou c'est bugu. Donc généralement, vu les causes, c'est pas très étonnant. Non. Excusez-moi. Il faut juste faire attention, il y a un piège. C'est le patient qui a une évolution confluente. Si demain, demain vous voyez un patient qui a fait une mononeuropathie multiple, eh ben c'est possible qu'il ait fait d'abord un fibulaire à droite, puis à gauche, puis un tibial à droite et à gauche. Enfin bref. Et donc c'est possible que tout de suite on prend plusieurs troncs nerveux et qu'on les juxtapose. Ça peut donner un pseudo-aspect de polyneuropathie, c'est-à-dire un pseudo-aspect justement longueur dépendant là. Donc il faut donc c'est piégeux. L'argument qui va vous permettre de dire est-ce que c'est une polyneuropathie ou une mononeuropathie multiple dans ce genre de situation, bah c'est l'installation. La polyneuropathie, ça sera progressif et ça va remonter tout doucement, alors que la mononeuropathie multiple, ça sera un territoire nerveux de manière aiguë ou subaiguë, puis quelques jours plus tard, un deuxième territoire, etc. Donc ça va être une atteinte patchy, comme ça, asynchrone, asymétrique. Et ensuite, ça va confluer, mais globalement, initialement, c'est pas confluent. Donc c'est l'anamnèse qui vous rattrape le diagnostic et pas l'examen clinique à ce moment-là. Les étiologies, globalement, c'est principalement les vascularites et les maladies de système. Globalement, c'est quasiment toutes les vascularites et maladies de système. Hein, je ne vais pas faire le listing, je vous l'ai mis ici. Le diabète également, ça peut donner des mononeuropathies multiples. Donc le diabète, va globalement, vous voyez que ça peut donner des polyneuropathies, des mononeuropathies simples et des mononeuropathies multiples. Donc ça peut donner quasiment tous les tableaux cliniques. Quelques infections également, encore une fois, donc notamment, j'ai mis la lèpre en gras parce que c'est une des causes les plus fréquentes dans le monde, mais évidemment en France c'est pas si fréquent que ça. Le VIH et le VHC également, et la neuropathie motrice à bloc de conduction persistant, donc on va reparler dans quelques minutes. Le bilan éthiologique, globalement, l'objectif c'est d'aller checker toutes ces causes de vascularité, et donc vous voyez que c'est un bilan humain assez large. Et donc ça va se terminer généralement par une biopsie, alors soit neuromusculaire si on n'a pas d'autre choix, soit d'un autre organe si on a le choix. Donc notamment si on peut éventuellement biopsier par exemple une glande salivaire ou autre, par exemple pour une sarcoïdose, bah, on va préférer évidemment faire ça. Concernant les neuropathies motrices à bloc de conduction persistant, justement, donc globalement, l'atteinte est motrice pure, c'est ce que je disais, donc c'est le diagnostic différentiel de SLA. Donc vous pouvez vous dire mononeuropathie motrice à bloc de conduction persistant égale diagnostic différentiel de SLA, donc c'est un tableau qui doit ressembler à la SLA. Donc déjà, c'est purement moteur. Il y a des fasciculations, il y a une amyotrophie, un déficit moteur, donc vous voyez, c'est vraiment très similaire, c'est asymétrique et ça prédomine plutôt au membre supérieur.
Donc le truc qui va vous permettre de différencier les deux, c'est l'électroneuromyogramme, qui va vous dire, bon, il y a des blocs de conduction en dehors des zones de rétrécissement anatomique, donc c'est pas un endroit où est-ce que le nerf est censé souffrir habituellement, et ce bloc, comme le nom l'indique dans, enfin, comme le nom de la maladie l'indique, il va persister à 3 mois d'intervalle, et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais dans une SLA, il n'y a pas de bloc de conduction dans une SLA, parce que la SLA, c'est pas une atteinte de la myéline. La biologie, vous allez avoir des anticorps anti-GM1, donc exactement comme dans le Guillain-Barré, sauf que c'est des anticorps de type IgM. Et pour retenir que dans les neuropathies, globalement, à part dans, c'est dans le Guillain-Barré, vous avez des IgG, mais dans toutes les autres, c'est des IgM, pardon. Et les traitements, globalement, c'est les immunoglobulines intraveineuses, et il faut surtout pas donner de corticoïdes, parce que ça peut aggraver les signes cliniques. Donc justement, le syndrome de Guillain-Barré, bon. Je l'ai mis ici pour parce que globalement il faut en parler un petit peu. Ça, je pense que c'est un chapitre un peu plus simple globalement, donc je vais passer assez rapidement. Voilà, ça évolue en trois phases. Il y a une phase d'extension de moins de 4 semaines par définition, une phase de plateau, une phase de récupération. Il y a tout un cortège de manifestations sensitives, ascendantes, la motrice qui se prédomine plutôt en proximale, donc ce qui ne respecte pas un tableau de polyneuropathie comme je vous le disais. Une atteinte des nerfs crâniens qui peut être assez précoce. Et un risque, notamment sur le plan dysautonomie et sur le plan respiratoire, qui fait que globalement, ça peut engager le pronostic vital, et ce qui fait que quand on les reçoit en hospitalisation, on les évalue et on les surveille de manière très fine pour les envoyer en réanimation si jamais ils commencent à se dégrader. Le syndrome de Guillain-Barré, est-ce que vous avez à en connaître également ces quelques formes cliniques particulières? Donc il y a le syndrome de Miller-Fischer, donc ça je le mets juste ici, c'est juste pour vous mettre le doigt dessus, il est dans le chapitre diplopie. Il n'est pas dans le chapitre neuropathie. Alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste qu'à chaque fois, enfin c'est juste qu'il n'a pas été, ils ont pas pensé à le mettre. Enfin peu importe. En tout cas, il est cité dans le collège. Et je, alors de souvenir, c'est du rang B. Mais donc techniquement, c'est à savoir. Donc c'est un syndrome de Guillain-Barré un peu particulier qui donne une atteinte oculomotrice, une aréflexie et une ataxie. C'est une atteinte de type, enfin un syndrome triple. Vous avez également les AMAN, donc c'est les neuropathies motrices axonales aiguës, donc c'est un Guillain-Barré mais purement axonal à ce moment-là. Donc généralement c'est post-infectieux après Campylobacter jejuni et c'est habituellement on dit qu'il n'y a pas de risque d'intubation. Et après bon tout ce qui est facteur de pronostic et pronostic je vais pas redétailler mais globalement avoir quand même une idée que le Guillain-Barré c'est une pathologie grave qui peut s'accompagner d'importantes séquelles et de décès donc c'est pas une pathologie bénigne et évidemment ça nécessite une hospitalisation, voire parfois une hospitalisation en réanimation. Le LCR, globalement, vous allez avoir une dissociation albuminocytologique, c'est-à-dire pardon, une hyperprotéinorachie sans pléiocytose. Si vous avez une pléiocytose, il faudra évoquer une méningoradiculite à ce moment-là. Et les traitements, c'est les immunoglobulines ou les échanges plasmatiques. Les corticoïdes ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien. Et les traitements symptomatiques, évidemment, c'est-à-dire la surveillance, les complications de décubitus, le contrôle de la dysautonomie, etc. Ok, on va aborder maintenant les choses un peu plus exotiques, mais qui sont dans le bouquin, et qui, pour cette naissance, en rang A. Donc, on a notamment les polyradiculonévrites chroniques. Donc, techniquement, le schéma sur les causes cite les trois types de, trois causes de polyradiculonévrite chronique. Donc c'est le même tableau qu'un Guillain-Barré, sauf que c'est chronique. C'est-à-dire que la phase ascendante dure plus de 4 semaines. Et donc, enfin plus de 8 semaines, techniquement 8 semaines pour chronique. Entre 4 et 8 semaines, on est en subaigu. Donc les étiologies, donc ça peut être idiopathique. Ça peut être sur un myélome, c'est ce qu'on appelle le POMS. Donc c'est l'association d'une polyneuropathie, d'une organomégalie, d'une endocrinopathie, d'une atteinte monoclonale au niveau des cellules sanguines et d'atteinte cutanée, ou ça peut être lié à une maladie de système, notamment le lupus. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à en connaître, c'est le même tableau clinique que le Guillain-Barré, sauf que c'est une évolution plus longue évidemment, et après trois causes à connaître pour le CN que je vous ai remis ici. Les méningoradiculites, pour le coup, ça c'est du rang A. Donc globalement, méningoradiculite, c'est une méningite, donc on va avoir un syndrome méningé plutôt au second plan, surtout caractérisé par des céphalées et radiculite, donc une inflammation des racines. Donc généralement, c'est des douleurs radiculaires intenses, pluriradiculaires, avec une atteinte des nerfs crâniens possibles, puisque les nerfs crâniens, bah, c'est des racines comme les autres, donc elles peuvent être touchées également.
Les étiologies que vous devez évoquer en cas de méningoradiculite à l'ECN, c'est trois étiologies. C'est 1, la borréliose de Lyme, donc ça c'est assez connu. 2, les hémopathies. Et 3, la méningite carcinomateuse. Enfin, pour terminer, et ça paraît assez dur en A, vous avez deux plexopathies à connaître au programme pour le CN. Donc les plexopathies, c'est une atteinte du plexus, donc généralement c'est un bras. Ça peut être aussi une jambe, mais donc c'est un seul membre habituellement. Et donc ça aura une répartition inhabituelle qui va pas se respecter soit une racine, soit un tronc nerveux. Donc globalement, c'est ça qui va vous mettre à la puce à l'oreille. Et donc les deux que vous avez à connaître sont le personnage Turner. Excusez-moi. Donc c'est une plexopathie brachiale aiguë. Ça commence par une douleur insomniante, rebelle aux antalgiques, notamment à la morphine, suivi d'une paralysie amyotrophique avec une régression des douleurs. Et c'est une atteinte du plexus brachial supérieur, donc généralement c'est le deltoïde, le dentelé, l'infra et le supraépineux qui vont souffrir. Et le bras en proximal, par contre, va être plutôt respecté. Et le traitement, habituellement, c'est surtout la rééducation. La deuxième plexopathie à connaître, c'est les syndromes de Pancostobias. Donc ça, généralement, avec les pneumos, vous connaissez plutôt bien, mais dès que c'est une atteinte du plexus brachial inférieur. Donc c'est un territoire C8-T1, donc c'est plutôt les muscles distaux au niveau de la main, avec un signe de Claude Bernard Horner par atteinte du ganglion stellaire associé. Voilà tout ce que j'avais à dire sur les plexopathies et globalement sur les neuropathies de manière générale. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez, et sinon, je vous souhaite un bon week-end et un bon courage pour cette année.